Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi soir, mardi 9 mai si je me trompe pas, et donc j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, clairement ce vlog sera dédié au salon du livre à Limoges. J'y vais donc ce week-end accompagnée d'une copine du book club, donc Camille du compte Two Cats and Books, si je me trompe pas, parce qu'elle a changé son pseudo, donc j'ai vraiment pas envie de me tromper, mais normalement c'est ça. Ça va être super chouette, j'ai hâte, il faut que je regarde la liste des auteurs, la liste des conférences, etc. Ce serait voilà, hyper chouette de faire des conférences, autant en profiter, hein. Je suis à domicile parce que pour celles et ceux qui ne me suivent pas depuis quelques temps, qui me suivent récemment, bah, je viens de Limoges, je suis originaire de là-bas, donc pour moi c'est clairement un salon à domicile, donc c'est tout bénef entre guillemets. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte, surtout que Camille ne connaît pas non plus Limoges, donc ce sera l'occasion de lui faire visiter parce que oui, il y a des choses à voir là-bas, voilà. Bref, trêve de blabla, ça va être super chouette ce salon, j'ai trop hâte. Et en attendant, parlons lecture, j'ai terminé hier précisément, Persuasion de Jane Austen, donc c'est un roman, un classique de la littérature anglaise. Un roman que je lisais dans le cadre d'un challenge que j'avais initié, non pas forcément, mais que je faisais avec les copines du book club. Donc clairement on lisait chaque mois, enfin le challenge c'était de lire chaque mois un classique. J'ai pas du tout tenu, j'ai lu, au final c'est le deuxième classique que je lis depuis le début de l'année. Et je suis assez mitigée sur cette lecture en fait. Disons que je trouve la plume extrêmement lourde, mais je pense que c'est l'effet classique qui donne ça. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. On suit une jeune femme qui s'appelle Anne Elliott. Elle a deux sœurs, un père assez fier, assez arrogant entre guillemets. On est dans les années, alors c'est jamais vraiment noté il me semble, mais ça doit être 19e. Et on est en Angleterre, on est autour de la ville de Bath, dans la campagne anglaise, dans les Landes. Elle est tombée amoureuse, fut un temps, il y a de ça 7 ans, du capitaine Wentworth, donc Frédéric si je ne me trompe pas, Wentworth. Et finalement elle lui a dit non lorsque il lui a demandé sa main, car elle a été influencée par une amie à elle qui s'appelle Lady Russell. Et en fait, on débute l'histoire 7 ans après, 8 ans, presque 8 ans après. Et à ce moment-là, eh ben, les chemins de Anne et de Frédéric vont se recroiser. Je vous épargne comment, pourquoi, parce que c'est assez long à se mettre en place. Mais en gros, c'est par des amis, c'est par le frère de Frédéric qui va louer une des maisons du père d'Anne. Et donc voilà, il y a... C'est assez particulier parce qu'en fait les personnages ont des relations comme ils se faisaient à l'époque, donc c'est tout par courtoisie, très cordialement, ils s'invitent à manger, ils s'invitent à aller se promener, tout le temps, il est question quasiment que de ça pendant tout le roman. Et je vous avoue que déjà il y a énormément de personnages du coup, parce qu'on a l'impression, enfin c'est pas une impression mais ils fonctionnent en clan entre guillemets. Donc en gros il y a 15 millions de promenades de personnes et ils échangent des politesses quoi. Et quand ils se croisent en ville, oh venez, ils se prennent le bras et ils vont se balader. Pff, du coup c'est un peu long à réussir je trouve à s'attacher au personnage. Du moins moi personnellement j'ai mis du temps avant de m'attacher au personnage. Je trouve que le personnage d'Anne est assez singulier, elle dénote hein, honnêtement par rapport aux autres personnages qui sont décrits. Donc il y a voilà, une multitude de personnages, comme je vous disais, qui gravitent autour de Anne et de Frédéric, qui ont leur importance parce qu'il y a des histoires voilà, qui viennent un peu pimenter le récit, des petits rebondissements de temps en temps, mais rien de très extravagant à mon goût et rien de très prenant en fait. Il m'a manqué ça dans le récit, je trouvais que c'était assez platonique en fait, c'était assez plat. De temps en temps, il y a des petits rebondissements, on se dit oh là là, il va enfin se passer quelque chose, il va y avoir, je sais pas, une vraie discussion entre Anne et Frédéric, et en fait, non, ça tombe un petit peu, Je sais pas, je pense que je suis passée un petit peu à côté en fait de ma lecture. En fait, j'hésite entre lecture mitigée et bonne lecture parce que à certains moments j'étais vraiment dedans et je me disais trop bien, il va se passer ça, un tel il va dire ça, et donc du coup Anne elle va enfin révéler ses sentiments à Frédéric et tout. Et en fait non, après ça retombe, après il reste dans la politesse, dans le cordialement, dans le machin, dans le truc, et pff, je sais pas, trop de fioritures à mon goût. Est-ce que c'est l'époque, est-ce que c'est la plume? Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, voilà, je pense que c'est pas une lecture incroyable. Donc je débute le mois de mai avec une lecture, je pense qu'elle sera mitigée, parce que voilà, au vu de l'avis que je vous fais là, clairement c'est pas une excellente lecture, ça c'est sûr. La plume est très particulière, il y a vraiment un temps d'adaptation, on est complètement sur autre chose par rapport aux romans contemporains actuels qu'on a l'habitude de lire, je pense, et du coup j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter. Donc voilà, conclusion, Persuasion ça l'a pas énormément fait pour moi, du coup vraiment j'hésite à... J'ai pas encore rédigé ma chronique, mais je pense que je mettrai lecture mitigée, parce que ce fut un petit peu long, clairement. Donc voilà pour mon avis sur Persuasion. C'était assez... Voilà, il m'a manqué pas mal de rebondissements et un certain attachement, je pense, au personnage. Je me suis attachée au personnage d'Anne, mais le reste des personnages pour moi était un peu insignifiant, voire même caricaturé, cliché et... un peu trop grossi en fait, donc ça m'a un peu déstabilisée et j'ai moins apprécié cet aspect là. Mais bon, écoutez, ma foi, j'ai lu un Jane Austen, je sais pas si je lirai d'autres romans de l'autrice parce que je vous avoue que ça m'a pas non plus méga emballée, mais à voir, en tout cas j'ai fait ma part pour le challenge. Dans le précédent vlog, je vous disais que j'hésitais au début du vlog sur ma prochaine lecture et j'ai complètement zappé de vous dire que j'avais lu Les Davenport de Cristal Marquis. Donc c'est un roman que je vous ai présenté pas dans le dernier vlog mais dans celui d'avant, enfin bref j'en parle un peu dans les deux derniers vlogs, et on est sur un remake des Bridgerton. Clairement, c'est copier-coller des Bridgerton, simplement la famille est une famille, donc comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, de couleur de peau noire, et donc du coup ça change un petit peu. On suit quatre jeunes femmes, parce qu'il y a la sœur de l'autre, quatre jeunes femmes qui vont un petit peu aspirer à leurs propres envies, qui vont céder à leurs propres envies. Envies qui ne sont pas vraiment dans les envies et dans les critères des parents. Donc on suit Olivia qui est donc l'aînée de la famille, et ainsi que Hélène, sa cadette. Également on suit Ruby qui est l'amie d'Olivia, et Amy Rose qui est cette fois-ci leur domestique, la domestique d'Olivia et de Hélène. Hélène adore tout ce qui est mécanique, voiture, etc. Sauf que bah, il faut qu'elle se range, c'est pas du tout son rôle hein, d'être... selon ses parents et selon la société, le rôle d'une femme n'est pas donc sous des voitures. Et on suit Olivia qui elle doit se marier, c'est un petit peu la bonne élève, elle fait les saisons de mariage, donc c'est un petit peu comme les Bridgerton si vous voulez. Et juste elle tombe amoureuse du mauvais garçon pour changer. Amy Rose elle rêve voilà, d'ouvrir sa propre entreprise. Sauf que voilà, l'homme qu'elle a envie d'épouser, bah, elle sait pas trop si c'est réciproque, etc. Enfin bref, c'est que des histoires comme ça. Et l'ensemble est sympathique, je vais pas dire le contraire, mais je suis restée assez dubitative parce que pour moi c'est un peu trop orienté young adulte, jeunesse, alors que c'est noté nulle part, ce qui m'a franchement étonnée. Donc pareil, c'est pas une lecture incroyable, j'ai bien aimé dans son ensemble, c'était agréable, j'aurais aimé je pense lire ça un peu plus jeune, mais là franchement c'était un peu trop copier-coller de Bridgerton à mon goût, même si les héroïnes donc prennent un petit peu leur envol, voilà, elles se révoltent, elles s'émancipent en fait un petit peu de la société. Je trouvais que... Voilà, il y a un peu trop de similitudes avec la chronique des Bridgerton, ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié cet aspect-là. mais dans son ensemble, le sujet était assez intéressant. Enfin, je pense que si vous aimez ce genre d'histoire, ça peut vous plaire. Voilà, j'avais oublié de faire ma chronique dans les vlogs précédents. Donc, deux lectures terminées, une au mois d'avril et celle-ci donc pas plus tard qu'hier. J'ai débuté une nouvelle lecture, il s'agit des Lettres de Rose de Clarisse Sabard. C'est la magnifique, je la trouve vraiment trop belle, brille et tout. Édition des éditions donc, Charleston, édition collector. Elle est trop belle. Bon alors, j'ai lu à peine, parce qu'en fait je pensais avoir lu un chapitre, mais non, j'ai même pas lu un chapitre, j'ai lu 26 pages, voilà. C'est une lecture commune que je fais du coup avec la copine Mélissa du compte Senteur de Livres, Sophie du Café et des Livres et j'ai oublié son prénom, Lecture parisienne, je suis désolée, j'ai oublié son prénom si tu passes par là. Donc voilà, on le lit à 4 et j'espère, enfin franchement les Lettres de Rose, j'espère que ça va être bien. Parce que de Clarisse Sabard, j'avais lu La Femme au manteau violet et j'avais pas accroché énormément. Pour moi, ce qui m'a manqué dans La Femme au manteau violet, c'était vraiment pas la sincérité ni la véracité des propos, mais l'authenticité en fait. Je trouvais que c'était trop fade, trop surfait. Enfin, il y a des histoires quand même dans La Femme au manteau violet qui sont assez poignantes et j'avais pas été vraiment émue par cette lecture. Donc ça m'avait un peu déçue et je trouvais que c'était la faute de la plume. Mais là, au bout de 26 pages, franchement j'aime bien. Après c'est 26 pages donc c'est un peu difficile de se faire un avis, mais franchement j'aime bien. On suit du coup Lola qui a été adoptée. Elle rêve de devenir libraire et sa vie bascule quand elle apprend que sa grand-mère biologique qui vient de décéder lui a légué une maison dans le petit village d'Aubéry. Donc elle se plonge dans le mystère de ses origines et il lui arrive plein de choses. Donc là au bout de 26 pages, clairement elle vient juste de se faire larguer par son mec et elle pleure, enfin elle est vraiment pas bien, elle est chez son meilleur ami pour la soirée. Franchement 26 pages, il s'est pas passé grand chose. Mais j'aime beaucoup la plume en fait, chose qui m'avait voilà, fait défaut lors de ma lecture de La Femme au manteau violet. Bah là je trouve que la plume est hyper fluide, hyper agréable. Et assez prenante, j'ai eu envie de tourner les pages. Donc écoutez ma foi, après l'enregistrement là je recommencerai, je reprendrai ma lecture là où j'en suis, je terminerai déjà le chapitre 1. Et voilà, je vous en dis un petit peu plus parce que il a l'air assez prometteur en tout cas ce roman. Donc ça c'est ma lecture en cours. Et j'ai également une lecture en cours qui est cette fois-ci une lecture audio. Je crois que je vous avais dit que j'hésitais au niveau de mon catalogue audible sur quoi lire et j'ai sélectionné du coup Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan. Il me tentait beaucoup, j'avais bien envie de le lire, je l'ai vu dans le catalogue audible et je me suis dit pourquoi pas prendre ce roman en lecture audio. Je crois, mais je suis pas hyper sûre, je crois que j'en suis là à peu près, donc pas encore à la moitié, page 142 sur 364 pages et j'aime beaucoup vraiment ma lecture audio, je la trouve hyper prenante. On suit une jeune femme qui s'appelle, une femme qui s'appelle Mélanie qui a 2 enfants, une mère de famille et elle est, enfin c'est pas elle mais ses enfants sont des enfants influenceurs, c'est-à-dire que ses enfants ont une chaîne YouTube, c'est elle évidemment qui gère tout, ils ont une chaîne YouTube, ils font tout ce que vous imaginez, si vous vous traînez un petit peu sur YouTube, bah forcément vous voyez à peu près le genre de chaîne dont il s'agit, ils font, voilà, les enfants font des défis, ils se mettent vraiment en avant, ils font pas mal d'unboxing, etc., etc. Et Mélanie donc gère tout, vraiment pour eux. Sauf que y a la fille, la petite, qui disparaît et forcément se pose la question de où elle est. Enfin, on a une sorte d'enquête pour essayer de la retrouver au plus vite. C'est toujours assez difficile hein, les disparitions d'enfants et là vraiment dans ce roman, Delphine de Vigan explore un petit peu les côtés sombres que peuvent les côtés sombres en fait du fait d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux, mais même de manière générale le côté sombre de l'influence parce qu'on a un flashback où on découvre un petit peu le passé de Mélanie, de pourquoi elle en est arrivée à ouvrir une chaîne YouTube pour ses enfants. Et c'est hyper intéressant. Il y a aussi, je trouve, une dimension politique parce qu'on suit j'allais dire la flic, c'est mauvais langage, la personne qui est en charge de l'enquête. Elle n'est pas vraiment en charge de l'enquête, mais elle est procédurière si vous voulez, donc elle est en charge de rédiger tous les comptes rendus, etc. Concernant cette enquête, je suis désolée, je ne trouve pas les mots, ce qui s'appelle Clara, et donc on suit Clara aussi dans ce roman, qui est vraiment un roman, c'est pas une sorte de documentaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment romancé. Et on la suit, et forcément elle vient d'un milieu social clairement de gauche, on va dire ce qui est, et elle se retrouve à être dans la police nationale, et quelque chose qui est assez, qui détonne dans sa famille à elle. Donc je trouve que voilà, il y a une dimension aussi politique qui est assez intéressante, avec notamment le côté influence, capitalisme, etc. Clara, c'est sa famille qui est clairement de gauche, où voilà, il y a tout un historique aussi où on la suit plus jeune, où elle fait toutes les manifestations, etc. Bon bref, c'est assez intéressant et j'aime beaucoup la manière, la plume, la manière de raconter les choses. Voilà, Delphine de Vigan, je la connaissais pas, c'est vraiment la première fois que je lis un roman d'elle et je suis agréablement surprise par sa plume qui est hyper fluide, très actuelle, mais parce que je pense qu'elle parle de sujets de société aussi, je pense pas que ce soit vraiment sa plume qui soit actuelle, mais j'aime beaucoup et il me tarde vraiment qu'une chose, c'est de continuer ma lecture audio parce que je la trouve assez intéressante, assez prenante, d'avoir ce regard-là sur l'influence, sur les réseaux sociaux, sur la mise en avant, bon bah forcément ça me touche, j'ai envie de vous dire, voilà, on se connaît pas mais je vous parle, vous me connaissez mais moi je ne vous connais pas, et en même temps il y a une dimension exposition forcément, avec notamment le fait que Timmy, donc la petite fille de Mélanie, a disparu dans le jardin où elle vit, à côté de là où elle vit, donc il y a une dimension exposition, est-ce que... se pose la question de savoir s'ils ont trop montré l'endroit où ils habitaient, etc. etc. Donc il y a beaucoup de questionnements, j'en suis vraiment voilà, pas encore à la moitié, donc si ça se trouve ça va encore évoluer, mais j'aime énormément pour l'instant, ce profil, une très bonne lecture. Je peux pas parler de coup de cœur parce que c'est une lecture audio où je suis pas non plus hyper embarquée dedans, mais... pas pourquoi j'ai fait ça mais j'aime énormément vraiment ce profil, une très bonne lecture que je trouve hyper intéressante, donc écoutez ma foi, c'est assez sympa. Pour l'instant j'ai deux lectures là qui se profilent vraiment bien, après deux lectures mitigées c'est plutôt chouette. Donc voilà pour mon update lecture, je pense avoir suffisamment parlé, et puis on se retrouve plus tard pour soit un update lecture, soit directement le salon Lire à Limoges. Et coucou, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui jeudi soir et je vous viens en vidéo, j'arrive pas à parler, j'arrive en vidéo juste pour vous faire un petit unboxing très rapide et après je retourne parce que je dois aller faire à manger, voilà. Alors je pense que c'est... je pense savoir ce que c'est. Ouais, bon bah je pensais que c'était ça, c'est bon. Donc je suis jurée et c'est la suite de la sélection. Il est abîmé. Oh non. Ok, je pense qu'ils ont dû faire les envois assez rapidement parce qu'il est tout abîmé là. C'est pas grave. Donc, il s'agit du Cirque des Merveilles. Ah oui, il est vraiment... Bref, passons. Le Cirque des Merveilles de Elizabeth McNeill. Donc c'est un roman que je dis voilà pour la sélection littérature étrangère du Grand Prix des lecteurs Pocket. Et j'ai l'impression que... Non mais... Bon, c'est pas grave. On est en Angleterre en 1866 et on suit du coup Neil qui vit rejeté de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le Cirque des Merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Nell, la femme léopard, ne pensait pas trouver sous ce chapiteau une nouvelle famille. Mais contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. La voilà dans la lumière, un peu trop d'ailleurs au goût du tyrannique Jasper, car les monstres parfois ne sont pas ceux que l'on croit. C'est un petit peu la même histoire, je trouve, que La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman, que j'avais lue l'année dernière, il me semble, à peu près à la même époque d'ailleurs. Et j'avais été un peu dubitative sur la plume, l'histoire était bien, mais c'est pas le genre d'univers qui m'attire spécialement, voilà, l'univers du cirque, etc. C'est pas forcément ce que j'apprécie lire, donc je vous avoue que je suis un peu, pas réticente, mais j'ai du mal à me dire... Allez, commence cette lecture, sachant qu'il est quand même relativement épais, hein, il fait quasiment 500 pages en poche, donc ça va être compliqué de le lire. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal d'avis relativement positifs sur ce roman, donc je suis assez curieuse quand même de le lire dans son ensemble, même si c'est pas quelque chose auquel voilà, je suis pas hyper motivée, on va dire, par cette lecture. Mais pourquoi pas, donc si vous avez lu ce roman, bah, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ça m'intéresse parce que je sais pas du tout ce que, comment ça peut rendre, ce que ça peut valoir. Et il est bien dépensé. Donc voilà, je vous reprenais très rapidement en vidéo. Je suis toujours dans ma lecture des Lettres de Rose de Clarisse Sabard. J'aime beaucoup en fait le personnage principal, même si je trouve, parce qu'elle va voilà, un petit peu enquêter sur sa famille, ses origines, elle est vraiment à la recherche de ses origines, les rebondissements interviennent au bon moment, donc ça c'est chouette, et il y a déjà eu pas mal de rebondissements, j'en suis à un quart, un peu plus d'un quart du roman, et c'est chouette. Maintenant, je trouve que parfois c'est un petit peu trop léger. Alors est-ce que c'est la plume qui fait ça? Je pense. Je pense sincèrement que c'est la plume. Il y a certains moments... bon, il y a des conversations qui, à mon sens, ne sont pas nécessaires dans ce roman. Donc voilà, je me laisse porter. Vraiment, l'histoire de Rose dans le passé est hyper prenante, hyper intéressante. Et c'est chouette. Maintenant, l'histoire de Lola dans le présent aussi, je la trouve très intéressante. Pour l'instant, voilà, que ce soit l'histoire dans le présent ou l'histoire dans le passé, les deux m'intéressent beaucoup, mais je vous avoue que ouais, parfois c'est un peu trop léger. Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude de lire beaucoup de romans historiques et donc je vois un petit peu, j'associe roman historique à quelque chose d'un petit peu plus dramatique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en attendais peut-être beaucoup aussi de cette lecture. En tout cas, on va voir, on va voir, mais ça reste une bonne lecture, hein. Franchement, je passe un bon moment, la plume est hyper fluide et c'est quand même agréable. Voilà, je pose le cerveau quand je rentre, je lis mon livre et puis je pense pas à autre chose, donc c'est trop bien. Je suis bien dans ma lecture, on va dire. Voilà, je vous reprends du coup plus tard pour, je pense, Lire à Limoges. Et coucou, j'espère que vous allez bien. À chaque fois, je commence comme ça, il faut que j'arrête parce que c'est un réflexe, mais c'est affreux. Je vous reprends, nous sommes le lendemain de la séquence précédente, nous sommes vendredi après-midi et je reviens très rapidement parce que j'ai reçu un colis, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Enfin, c'est une enveloppe, mais... un livre évidemment pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Ils nous envoient vraiment la sélection un petit peu tardivement, donc voilà, c'est ça, c'est la suite. C'est la suite donc de la sélection. Il s'agit des affinités sélectives de J. Courtney Sullivan. Déjà j'aime beaucoup la couverture, je la trouve hyper, je sais pas, on dirait une histoire de vie, une histoire d'amitié. Alors, les affinités sélectives. De sa vie survoltée à Brooklyn, Elisabeth regrette à peu près tout. Pourquoi être venue s'installer dans cette petite ville ringarde? Journaliste à succès, elle manque d'inspiration. Jeune maman de sommeil. La dépression la guette. Jusqu'à l'arrivée de Sam, l'étudiante endettée qu'elle embauche comme babysitter. Tout les sépare, l'âge, l'argent, le milieu social. Mais de confidence en confidence, les deux femmes se lient d'amitié, convoitant chez l'autre la possibilité d'une vie différente. Est-ce cela qu'on appelle l'amitié? À quoi sinon aux circonstances tiennent les affinités sélectives? Il a l'air vraiment chouette par contre. Il est hyper épais. Et il fait... ah ouais quand même. Il fait 638 pages, 637 pages. Donc il est assez épais. Je pense que c'est pas juste l'amitié. Je sais pas si vous y avez pensé aussi. Mais ça peut être vraiment intéressant, je trouve. Donc ça peut être chouette. Merci aux éditions Pocket vraiment pour l'organisation de ce prix. C'est hyper chouette, je trouve, de recevoir des livres qui peuvent me sortir de ma zone de confort. Et celui-ci, vraiment, je ne me serais pas retournée dessus en librairie, clairement pas. Donc, mais au vu du résumé, il a l'air hyper intéressant, hyper chouette. Donc ma foi, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Oui, j'ai encore mon manteau, tout va bien. Je viens juste de rentrer en fait, entre midi et 2. Donc hyper heureuse vraiment de cette réception. Je suis ravie, il me tente beaucoup. Donc j'espère qu'il sera lu très prochainement. Arrive. Alors il y a l'écriture et l'édition, c'est deux choses différentes. Est-ce que dès que vous avez commencé à écrire, vous avez été publié? Est-ce que c'est arrivé assez vite? Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de partager ce petit moment avec vous. Oui, alors c'est donc j'ai commencé à écrire oui, il y a une vingtaine d'années. On va dire que l'écriture m'est tombée un peu dessus. Je n'ai jamais rêvé d'être un jour écrivain, j'ai pas grandi avec cette idée-là. J'aimais juste qu'on me raconte des histoires quand j'étais plus jeune, qu'on me les raconte à travers les livres ou à travers le cinéma. Donc, il y a eu le Conseil cinéma, le Train d'enfer, j'ai créé La Chambre des morts, donc j'ai cherché un éditeur pour La Chambre des morts, des fois il peut se passer un an. Et donc j'avais commencé Dol de miel, qui est la suite de Charcot. Mais je me disais, si La Chambre des morts, si j'arrive pas à retrouver un éditeur, et puis si j'ai pas plus de lecteurs, je vais devoir arrêter parce que c'était trop, quoi. C'était entre mon boulot, la famille, écrire le soir et tout, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, bon, c'est vraiment beaucoup trop d'efforts pour avoir si peu de lecteurs. C'est une passion trop envahissante. Bon, il se trouve que La Chambre des morts a fonctionné, donc ça m'a encouragé à continuer. J'en ai écrit encore deux en travaillant encore, et puis après, c'est ce que j'ai pu me dire, voilà, je peux arrêter et continuer vraiment dans l'écriture. On est aujourd'hui dimanche et on a passé du coup tout hier au salon du livre à Limoges, donc bon, moi je suis à domicile. C'était hyper sympa de pouvoir voir les auteurs, de pouvoir échanger avec eux, surtout qu'il n'y avait pas de file d'attente. Non, trop cool. Donc on est super contente voilà, de ce salon hier à Limoges. On a pu croiser aussi d'autres personnes des réseaux sociaux, donc ça c'est chouette. On pense à Karine, on pense à Magdalena, à l'amie de Karine, c'est Audrey, je crois. Oui. Enfin voilà, c'était hyper sympathique. Moi j'ai trouvé le salon voilà, peut-être un peu plus pauvre que l'année dernière en termes d'auteur, mais au niveau de l'ambiance, je l'ai trouvé beaucoup mieux en fait, parce que voilà, je compare forcément par rapport à l'année dernière. Et les auteurs étaient beaucoup plus détendus aussi, je pense. Il y avait moins de monde, ça faisait moins un brouhaha. Ouais, totalement. C'est plus à taille humaine, on va dire. Oui, c'est ça. Tout est faisable sur la journée sans problème, hein, en prenant son temps. C'est ça. Donc on est super contente en fait vraiment de ce salon. Et donc on vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit book haul de nos achats à Lire à Limoges. Petit gros book haul. On peut commencer peut-être par le premier, Jonathan Werber. Werber Je sais pas. Le fils de Bernard. Oui, exactement, le fils de Bernard. On a pris Là où les esprits ne dorment jamais, et en fait c'est une enquête, donc il fait intervenir une jeune femme. On est dans les années 1888 aux États-Unis, et en fait elle va enquêter sur le... Alors c'est le début d'une religion des sœurs Fox, le phénomène des sœurs Fox qui sont à l'origine du mouvement spirit qui a révolutionné la société américaine puis européenne à partir des années 1850 en y amenant la communication avec les défunts. Voilà, spiritisme. Et vraiment l'auteur était hyper gentil, on a pas mal échangé avec lui. Voilà, un petit peu dans son monde, mais très ouvert aussi, très bel échange, exactement. Donc on s'est laissé tenter par celui-ci. Bah, je crois qu'on en a beaucoup en commun. Tout pareil en fait. Ah, c'est ça. Ensuite, dans l'ordre, pas dans l'ordre, Kanak. Ouais, ou pas dans l'ordre. Momalo, que nous avons vu l'après-midi. Je crois que c'est l'un des derniers qu'on a vu d'ailleurs, je crois. C'est le dernier, non? Je sais plus du tout. Non, c'est pas le dernier. Avec le tampon, qui est également un tatouage à lui. On a pas mal discuté également avec lui, c'était hyper sympa. De comprendre comment il est amené à faire des enquêtes au Groenland. Et du coup, il est français. C'est un nom d'emprunt. Voilà. On l'a appris hier soir. C'est acté, il est français. Moi, je pensais pas, enfin, je me doutais qu'il était français et que c'était un nom d'emprunt, mais c'est vrai que Momalo avec le O là comme ça, ça peut porter à confusion. On s'est dit, il a des origines, mais non, il est français. C'est ça. Et du coup, voilà, Meurtre au Groenland, ça nous tentait bien, donc on va voir. Après, il est assez épais. Ouais, mais bon. On est sur une plateforme pétrolière, il me semble, et... Il y a un ours qui attaque. Ensuite, on est allé voir Petroni Rostania également. Elle est pas mal présente sur les réseaux en ce moment. Enfin, je trouve qu'on voit son livre, ses livres énormément tournés. Du coup, on s'est laissé tenter. Elle a pitché ses romans devant nous, et on s'est laissé tenter par J'aurais aimé te tuer, qui est cette fois-ci une adolescente, si je ne me trompe pas, qui se présente pour accuser du meurtre de Bruno, un homme qui aurait tenté de la violer. Voilà, donc c'est assez noir, assez sombre, mais elle a clairement dit que c'était un polar, un vrai pur polar, et que ça se lisait assez vite. Du coup on s'est dit, bah, pour commencer sa plume, pour essayer de découvrir sa plume, je pense que celui-là est plutôt pas mal. En plus elle aime bien avoir, mettre des titres assez percutants, J'aurais aimé te tuer, paf. Et l'autre c'est Quand tu ouvriras les yeux, son dernier du coup. Mais c'est marrant parce qu'il y a Prix Cognac surtout, mais c'est celui-là qui a le Prix Cognac ou c'est tous les romans? Ah non, après J'aurais aimé te tuer, Prix Cognac du meilleur. Ok, celui-ci a reçu du coup le Prix Cognac, prix du festival de Cognac. Ensuite, nous sommes laissés, j'ai bugué, nous sommes laissés tenter par Douvres. On était obligés, contraintes. Par Magdalena, du coup forcément, hein, du conte Triple L de Mag que vous devez sûrement connaître. Voilà, Victor Gilbert est assez réservé, assez timide. Mais il a l'air assez intéressant. On est sur une histoire de famille assez sanglante, si je comprends bien le résumé, et dans un petit village. Alors par contre je sais plus s'il existe vraiment ou pas, le petit village. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas, non, il l'a inventé. Oui, il l'a inventé. Voilà, son arrivée à Douvres, village hors du temps, auréolé de mystères et de secrets, va signer le début d'une quête de soi autant que de vérité. Je trouve que ça a l'air assez sympa. Donc ma foi, il faut tenter. Surtout qu'il y a un petit commentaire de Olivier Norek ici, donc je pense que ça va être pas mal. Voilà, grave. On essaie aussi laisser séduire par l'argument Olivier Norek. Ensuite, Franck Thilliez. Franck Thilliez, on est allé le voir le matin. On a fait environ 1 heure de queue. C'est la plus grosse tête d'affiche du salon, donc là on savait qu'il fallait... fallait patienter un peu. C'est le président de Lire à Limoges, donc c'est vrai qu'il est très... bon, après, de toute manière, Franck Thilliez de base, oui. Il y a tout le monde qui y va. Jamais trois personnes, oui. C'est ça, et on a bien fait de faire le matin. On est allé également voir une conférence, du coup, hier, et c'était un grand entretien avec lui, où il a un petit peu parlé, je crois que je vous ai mis des séquences, où il a un petit peu parlé de, des origines, de ses débuts, les débuts de sa carrière dans l'ensemble, de ce qu'il faisait aussi à part, vu qu'il est scénariste, etc. Donc c'était plutôt, plutôt intéressant. Intéressant oui. Et donc le matin, toi, tu as pris... Moi, j'avais pris une... Enfin, pas une biologie, mais je veux dire le tome 1 et le tome 2 de sa saga mettant en scène Enbel. Lucie Enbel. Lucie, on va chercher le prénom. Lucie Enbel, parce qu'il y a Charcot et il y a Enbel. C'est deux personnages phares. Et du coup, je voulais commencer par le premier, mais il n'y était pas. Mais il y avait cette édition collector où il y a le 1 et le 2. Qui est assez marrante. Ouais, parce qu'elle est en relief un peu. Un petit peu. Ça fait effet peau. Effet peau de serpent. Et du coup, moi j'avais dans ma palle La mémoire fantôme. Voilà, je me suis dit que j'allais me le faire dédicacer. La petite dédicace. Donc voilà pour Franck Thilliez. Ensuite, en commun également, oui. Zoé Brisby, Les mauvaises épouses. Où là on est aux États-Unis dans les années 50 et on suit des épouses de militaires américains qui travaillent sur la bombe atomique. Ils sont sur une base militaire et elles parlent entre elles, etc. Il y a tout un jeu, je pense, de commérage, de faux semblants. Ouais. On attend, en fait, elles font rien de la journée à part attendre leur mari, clairement. Et donc du coup, elles papotent entre elles, etc. Zoé Brisby est hyper sympathique et tout, donc très drôle. C'était chouette. Je sais pas s'il y a de l'humour dans celui-là, parce que de base elle écrit plutôt des écrits, des comédies. Comédie, ouais. Mais celui-ci, je sais pas si... Non, je crois pas, je pense que c'est justement assez sombre. Mais après c'est intéressant du coup d'avoir sa plume transposée en roman. Ça change. Parce que là, tu vois, c'est noté, Zoé Brisby signe un roman intense et palpitant sur deux femmes qui font un choix de vie, être libres. Ouais, ça me tente, c'est bien. Puis la couve aussi assez marrante avec cette femme qui regarde un peu en mode provocatrice. Assez chouette. Ça va se faire vite. Oui, c'est écrit gros. C'est écrit gros, il y a 300 pages. Ça devrait aller. Voilà, maintenant il faut juste trouver du temps pour le lire. Ça c'est moins évident. Ensuite, Marie, je crois que... Moi c'est bon, j'ai terminé. Ouais. Et moi j'ai pas fini, j'en ai vu 3 autres. Tout d'abord, il y avait Mathieu Le Serre que je n'ai jamais lu. Il a écrit une trilogie, donc là j'ai pris le premier. Alors là, c'est une histoire de religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris. Ça annonce le ton. Il y aura une enquête, hein, c'est du polar thriller. Donc à voir, j'en ai beaucoup vu parler sur Instagram, donc je pense que ça devrait me plaire. Ensuite, si on reste dans le polar thriller, j'ai pris le dernier de Céline Denjean. Ça, c'est la suite de Matrice qui est parue en poche, que j'ai adoré. Et du coup, là, on retrouve son enquêtrice, Louise, dans celui-ci. Donc, elle est super sympa. Céline Denjean, vraiment, c'est très agréable de discuter avec elle. Clairement. Surtout qu'on l'avait vu au Quai du Polar. Et vraiment, il y a un mois. On est vraiment bien accrochés. Et pour finir... alors là, on sort du polar thriller, c'est plus... Enfin, j'ai envie de dire. C'est très rare. Hein. C'est pour ça qu'on a pris pas mal de... On a pris quasiment que ça, sauf Zoé Brisby. Sauf ça, mais après, bon, il y a les faux semblants et tout, alors je sais pas. Voilà, on verra ce que ça donne. On sait pas trop quel genre c'est en fait. Ouais. Et là, du coup, Bruno Comte, c'est beaucoup plus léger. J'en ai déjà lu 2 de lui, La part des anges et... Je me souviens plus de l'autre. Je ne cours plus qu'après mes rêves. Ah. Ouais, je ne cours plus qu'après mes rêves. Et là, je lui ai demandé un peu qu'est-ce que je prends, parce qu'il en a quand même écrit pas mal. Hein. Il n'en a pas que 2. Donc celui-ci, c'est issu d'une duologie. C'est une histoire d'amour, c'est des adolescents. Enfin, il y a une amourette à l'adolescence et ils vont se retrouver beaucoup plus tard. Je l'ai pris très bêtement parce qu'il y avait une camille dedans. Des fois, quand on ne sait pas choisir, franchement, voilà. Autant y aller hein, avec un roman. Mais ça, je sais que ça va se lire très très vite. C'est écrit très gros, il y a plein de chapitres, mais c'est léger, Bruno Combe. Il y a toujours des sujets quand même assez forts, mais ça reste quand même léger. C'est bien d'alterner des fois avec ce type de livre quand on lit pas mal de polar thriller. Ouais, donc non, je recommande, hein, ça se lit vraiment bien. Et puis voilà, ça a clôturé en fait la journée, la journée au salon. Oui, c'est le dernier. C'était le dernier qu'on est allé voir. Ouais. Il n'y avait personne. Bon, un de plus où on arrive, hop, c'est directement notre tour, ça c'est super. C'est vraiment trop cool. Ça, de ne pas avoir de queue, je pense que c'est le rêve de tout le salon. Donc voilà pour notre book haul. Assez conséquent. J'étais pas prête. T'en as un peu plus que moi quand même. J'en ai 9. Oh, 9. En fait, j'en ai autant qu'au Quai du Polar, sauf qu'à du Polar, on... Ouais. Ah oui, bah oui, t'en as 3 de plus que moi. Autant que le Quai du Polar, sauf que là, on a tout fait sur un jour. Ouais, sauf que ça, je l'avais déjà acheté, donc techniquement, j'en ai moins. J'en ai 5. Oui. Donc voilà, c'était notre book haul et nos réactions un peu à chaud, vu que c'était hier, du salon. En tout cas, voilà, c'est vrai que Lire à Limoges, par rapport à l'année dernière, était peut-être un peu moins bien en termes de nombre d'auteurs, etc. Mais finalement, bah, c'est pas plus mal parce qu'il y avait moins de monde. Donc bon, quelque part, on a bien profité du salon, on a pu tout faire en une journée. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on avait prévu de revenir sur le salon et on voit pas spécialement l'intérêt de revenir vu qu'on a tout fait. Tout vu. On a vu tout ce qu'on voulait, donc c'est vrai que... C'est ça, donc autant faire autre chose, j'ai envie de dire. Mais voilà, si vous ne connaissiez pas du coup ce salon, mais, ma foi, on a pris plaisir à vous le faire découvrir. Et on espère que voilà, l'année prochaine, il y aura aussi une belle programmation. Et puis du coup bah, moi je vous dis à plus tard pour un update lecture parce que j'ai clairement pas avancé sur les lettres de Rose. On était trop occupés là, hein, c'était pas possible. Je pense, j'ai regardé ce matin, j'en suis au chapitre 13 donc je même pas la moitié je crois. Enfin bon bref, un petit peu compliqué. Tu lis quoi toi déjà? Je lis la suite de Sombre de Max Monet. Ah oui, Je suis le feu. Je suis le feu, voilà. Déjà Sombre c'était une pépite mais là je crois que selon Marie il est trop bien et encore au-dessus. Ah ouais, moi j'ai préféré en fait parce que c'était il y avait plus de rebondissements tu vois. Sombre c'est bien, il y a des rebondissements et à la fin t'as un twist mais Je suis le feu t'as des rebondissements tout le temps tu vois et puis ça commence trop bien en plus hein. Oui il est un peu violent aussi donc voilà, à bientôt, salut. Et bonjour, je vous reviens très rapidement pour vous faire un update lecture. Je suis, oui voilà, avec mon manteau, oups, ça bouge un petit peu, j'essaye de tenir mon portable. J'en suis au niveau des lettres de Rose, page 366 sur 500 et quelques, donc j'avoue que j'ai presque terminé. Ce week-end, vous avez pu le voir, du coup j'étais au salon du livre à Limoges avec Camille et donc j'ai quasiment pas lu. Est-ce qu'on peut dire que je n'ai pas lu? Ouais, presque. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé hier quand même dans cette lecture et j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit, il me semble, dans les séquences précédentes, j'aime énormément cette lecture. Je trouve que la partie, autant dans la partie passée, autant la partie passée que la partie présente est très intéressante, très fluide au niveau de la plume, très prenante. Donc j'ai vraiment envie de savoir la suite. Je préfère, en fait, il y a plusieurs temporalités dans la partie passée. On suit Louise. J'ai changé de cadre. Je me dépêche, je suis désolée, je dois partir. Donc page 366 sur 500 et quelques, la partie passée. Donc on suit Louise qui est du coup l'ancêtre, l'arrière-grand-mère si je ne me trompe pas, du personnage principal Lola. Lola qui va donc hériter à la mort de sa grand-mère de sa maison. Elle ne connaît pas du tout sa famille biologique, donc c'est vraiment une surprise totale. Elle va arriver dans ce petit village, Lola hein, toujours, elle va arriver dans le petit village de Aubéry. Je ne sais pas trop où c'est situé en France, j'ai du mal à parler, j'en suis navrée. Donc Lola découvre des lettres qu'a laissées donc Rose, sa grand-mère, et de la partie dans le passé, on débute avec Louise qui est donc son arrière-grand-mère, la mère de Rose, et on suit du coup une femme qui est extrêmement ambitieuse, qui a tout fait pour sortir un petit peu de la ferme de ses parents. Elle s'est mariée avec quelqu'un qui était assez aisé déjà, qui avait une boutique en plein centre du petit village. Et donc elle fait des robes pour... Enfin c'est pas vraiment du... Il n'y a pas que des robes mais elle fait voilà, de la couture etc. Elle vend des habits dans ce petit village de Aubéry. Et on la suit, enfin franchement il se passe beaucoup de choses, donc ce serait vous spoiler de tout vous dire. Mais après on suit dans les années 50 donc Rose et la vie un petit peu de Rose. Et j'imagine à la fin la vie des parents de Lola. Voilà, c'est vraiment une histoire de vie, une histoire de famille sur 3-4 générations. Donc c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas gnangnan. Alors le début un petit peu, la partie dans le présent un petit peu, mais la partie dans le passé est finalement hyper fluide, un peu à la Lucinda Riley. C'est ça que j'ai adoré vraiment. Donc j'ai pas terminé encore, mais on part sur une très bonne lecture, clairement. Donc je suis trop contente de ce roman. Alors je me le traîne hein, depuis une semaine, vous le voyez, tout ce vlog sera consacré à la lecture de ce roman. Mais vraiment hyper satisfaite, vous voyez comme quoi mon avis peut changer, parce que je crois que un peu plus tôt du coup dans la semaine je vous avais dit que j'étais un peu déçue etc. par les côtés fleurs bleues. Et puis finalement j'ai complètement occulté ça à force justement d'en savoir plus, d'en connaître davantage sur les personnages. Je me suis beaucoup attachée à eux et ouais, hyper satisfaite. Donc il y a pas mal d'histoires dans l'histoire aussi, c'est ça que j'aime bien. Et comme je vous disais, ça ressemble un peu, alors de loin hein, bien sûr, de très loin, mais je retrouve un peu dans l'alternance passé-présent, dans les personnages un petit peu, les personnages de Lucinda Riley. Donc ma foi, je suis super contente de ma lecture. Voilà, je voulais vous faire un petit retour. Alors pas terminé, à moins d'un gros rebondissement plan. Normalement on part sur une très bonne lecture. Et du coup je voulais également vous prendre, parce que j'ai fait une petite réception hier, réception inattendue, enfin inattendue, si je l'avais demandé. J'ai reçu Les Ombres d'Adélaïde Hills, oui, de Kate Morton. Donc il est énorme, vraiment énorme, mais il est trop beau. Je suis tellement heureuse parce que Kate Morton, j'avais adoré La prisonnière du temps, je me souviens, ça avait été une super lecture. Donc ma foi, je suis hyper contente de le recevoir. Il est, fait combien de pages? Environ 700 pages, mon dieu. Et donc on est à Adélaïde Hills en 1959. Il y a un homme qui fait une terrible découverte au mystérieux domaine des Turner. Une enquête policière est ouverte et la petite ville de Tumbila est impliquée dans l'une des affaires de meurtre les plus choquantes de l'histoire de l'Australie du Sud. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, est à la recherche d'un sujet. Quand elle reçoit un appel de Sydney pour l'informer que sa grand-mère est à l'hôpital à la suite d'une chute, la jeune femme décide de rentrer en Australie auprès de celle qui l'a élevée. Pour la première fois livrée à elle-même dans la maison de son enfance, Jess s'aventure dans des pièces qui lui étaient interdites et découvre le secret qui unit la tragédie des Turner et sa propre famille. Il a l'air trop bien. Et on avait avec du coup des petits goodies entre guillemets, ce marque-page. Je suis trop fan, il est trop beau. Bon, l'envers c'est ça, mais celui-là est trop beau. Une carte postale et un petit mot de Kate Morton. Et rebonjour, ça s'est coupé très brutalement hier, j'ai pas eu le temps de clôturer ce vlog, donc je le fais maintenant. Je pense vous avoir tout dit au niveau de la réception. Voilà, Kate Morton, j'avais des petits goodies avec, je vous ai mis juste avant. Donc voilà, ça sert à rien non plus de continuer ce vlog éternellement, je vais le clôturer maintenant, le monter, vous le poster pour demain, ce sera un jeudi. Bon, ma foi, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. C'est toujours hyper aléatoire, mes publications de vlogs, mais vraiment je fais en fonction de mon temps, je fais en fonction du contenu. Et ça varie tout le temps, donc voilà, j'en suis désolée s'il y a des personnes qui aiment les rendez-vous réguliers. Avec moi, ça va être un petit peu compliqué. Olé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve bientôt, j'espère, dans un prochain vlog. En attendant, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous dis